Ok, je crois qu'il faut que je mette cette ombre à paupières ensuite. J'y suis presque, mais il manque quelque chose. Je devrais choisir quelle couleur? Bleu! C'est clairement une journée pour du bleu! Oui, ça donnera un coup de peps à mon look. Par contre, il en faut un tout petit peu. Pas trop. Oh non! J'en ai mis partout sur mes cheveux! Qu'est-ce que je suis bête! Je viens de gâcher tout mon look! Attends une seconde, je crois que j'ai une idée! Ça pourrait vraiment le faire! Alors, je vais avoir besoin d'un verre ou d'un bol et d'un peu de gel coiffant. Je vais juste mettre un peu de gel dans le bol, ça devrait suffire. Et maintenant, je passe à l'étape suivante, les paillettes! Je vais juste verser toutes ces paillettes dans le bol avec le gel! C'est trop joli, j'adore! Et maintenant, je vais utiliser ce bâtonnet pour mélanger les paillettes au gel! Oh, c'est si brillant et gélatineux! Rose, orange et bleu, ça va être génial! Je vais commencer par le orange. Je vais avoir besoin d'un pinceau. Maintenant, je vais juste passer le pinceau sur mes cheveux, comme ça. Oh, ça brille tellement! Ça rend super bien! Maintenant, je vais ajouter un peu de bleu. Regarde comme c'est joli! Je vais simplement faire des bandes colorées sur tout le côté. Fini! C'est génial! Regarde-moi comme ça brille de mille feux! Je suis trop géniale! C'était la meilleure idée que j'ai eue! Je ne me remets pas de cette réussite. Il faut vraiment que je poste ça sur Instagram. Il est temps de retrouver mes cheveux raides. Hein? Mais d'où vient cette boucle? Oh là là! Regardez toutes ces boucles en pagaille! Mais raidissez-vous, bon sang! Peut-être que mon lisseur ne marche pas? Il n'est peut-être pas assez chaud. Voyons un peu ça. Mais quoi? Il n'est pas chaud du tout! Pas étonnant que mes cheveux ne se raidissent pas! Tiens, tiens, mon aloe! Ça me donne une idée! Je n'ai besoin que d'une seule feuille. Je coupe l'extrémité et maintenant, je la coupe en deux dans le sens de la longueur. Tout doucement. Je voudrais pas avoir un petit accident. Voilà, c'est prêt. Je n'ai qu'à séparer mes deux moitiés. Et pour l'étape suivante, j'ai à nouveau besoin du cutter. Je fais des entailles sur toute la longueur de la feuille. Mais en faisant bien attention à ne pas la découper. Voilà, les deux parties sont maintenant prêtes à être utilisées. L'idée, c'est de se servir de l'aloe comme un lisseur. Il n'y a qu'à les faire glisser sur la longueur des cheveux. Waouh, regardez tout ce gel d'aloe. C'est bon pour les brûlures aussi. Et magie! Aïe, aïe, aïe! Je me suis cogné la tête! Bon, essayons encore une fois. Magie! Maintenant que c'est sec, regardez comme ils sont raides. Au placard, lisseur cassé! Je n'ai plus besoin de toi! Moi et mon aloe faisons des merveilles ensemble. Encore un petit devoir et c'est l'heure de manger! Waouh! Annie a vraiment la classe! Hé, Annie, tes boucles sont vraiment super jolies! Merci, je voulais essayer quelque chose de nouveau! Oh, les cheveux d'Annie sont superbes! Ce look te va vraiment bien! Oh, arrête! Tu vas me faire rougir! Mes cheveux à moi sont raides et banals, comme toujours! Tiens, mais ce stylo pourrait m'aider à changer ça. Je vais enrouler mes cheveux autour et attendre un peu. Et voilà! Oh, je crois que ça n'a pas du tout marché. Il n'y a rien à faire, pauvre de moi. Oh, on ferait bien de reprendre ce devoir. Bon, je vais prendre quelques notes. Zut alors, mon stylo ne marche plus. Je vais souffler dessus, ça devrait aider. Oh, oh! Et... excuse-moi, je peux t'emprunter un stylo? Oh, désolé, je n'ai que celui-là. Eva, tu peux me prêter un stylo? Oh, tu es toute triste. Je suis déprimée à cause de mes cheveux. Ah, c'est tout? Je peux t'aider à te faire des boucles. Regarde, d'abord tu prends une mèche de cheveux. J'utilise deux doigts et j'enroule tes cheveux autour. Puis je fais un petit nœud. Ensuite, je les tire un peu pour qu'ils restent bien en place. Oh, mais ça a l'air facile! Je suis impatiente de voir ces boucles! Attends! Ne le défais pas encore! Tu dois attendre au moins une minute. D'accord,
Je lance le compte à rebours. Voilà, tu peux défaire le nœud. Waouh, c'est vraiment super bouclé. Maintenant, moi aussi, je peux avoir de beaux cheveux. Eva, ça te va super bien. Merci, Annie. Que ferais-je sans toi? Je t'en prie, Eva. Et maintenant, je suis prête pour de nouveaux compliments. Mais il est passé où? Oh, mais c'est une blague! Ah, les garçons! Elle ne serait pas si bien coiffée sans moi. Pas le temps de te coiffer? La queue de cheval est une solution facile. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces cheveux? On dirait qu'il va me falloir une barrette. C'est beaucoup mieux. On voit enfin mon visage. Je suis tout à fait d'accord. Sauter le déjeuner était une mauvaise idée. Continue à parler, je t'écoute. Ouais. Attends une seconde. J'ai coupé mes cheveux! Oh, je te rappelle! Oh, mes beaux cheveux! Julie? C'est quoi toutes ces barrettes? C'est à cause des petits cheveux! On dirait que tu en as oublié un! Juste ici! Comment ai-je pu le rater? Oh, je dois tout recommencer. Ah, cette vidéo est trop drôle. Bon sang, j'avais vraiment besoin de cette douche. Ils sont encore mouillés. Regarde ça. Waouh, déjà sec. Je veux essayer. Oh, ils sont aussi mouillés. Oh, mes cheveux sont trop longs. Oh, j'étais en plein dans la zone d'éclaboussure. Ça fait beaucoup d'eau. Oh, pardon. Tu veux ceci? Heureusement, ce truc les séchera plus vite. Cool! En fait, ça va me prendre un moment. Je vais me brosser les dents en t'attendant. J'en ai encore pour quelques minutes. Oh, j'espère qu'on ne va pas y passer la journée. Toujours en train de te sécher? Je n'ai même pas l'impression que quelque chose se passe. Tu as fini, Kili? Bien sûr que non. Mes cheveux longs prennent juste plus de temps à sécher. Ok, beaucoup plus de temps. Je n'arrive pas à croire que c'est encore le jour du shampoing. Laver les cheveux courts et laver les cheveux longs sont deux tâches complètement différentes. Besoin d'un peu de shampoing, Lily? Les filles aux cheveux courts n'en ont presque pas besoin pour se laver les cheveux. Et elles économisent le plus sur leur facture d'eau mensuelle. Ouais, Lily est encore en train de se rincer les cheveux. J'espère que tu n'avais rien prévu ce matin, ma belle. Si tu as les cheveux longs, tu ferais mieux d'investir dans des serviettes supplémentaires. C'est pas vrai. Quelle quantité d'eau se trouve sur ma tête? Oh, enfin! Se préparer le matin peut prendre plus ou moins de temps. Mais si tu as les cheveux courts, ça devrait être plutôt rapide. Sécher des cheveux longs peut prendre moins fois plus de temps. Attention Lana, tu risques de t'épuiser dès le matin avec ce séchage. Jolie Vicky, pauvre Lana. Espérons qu'elle aura fini pour Noël. Allez, satanés cheveux, séchez-vous! C'est peut-être le moment d'envisager une coupe au carré ou de faire son shampoing le week-end. Allez, un chignon et on en parle plus. Rien de tel qu'une soirée entre filles à la fin d'une longue semaine de travail. Merci! Une soupe aux œufs, ma préférée. Les cheveux dans la soupe? Dégoûtant! Par chance, Amy peut attacher ses cheveux, pas de problème.
Sophia, quant à elle, ne peut pas en faire autant. On dirait qu'une petite douche s'impose après le dîner. Un conseil, si tu as les cheveux au-dessus des épaules, commande une salade. Oh non! Il y a un cheveu dans ma soupe. Bon, au moins, tu sais que c'est le tien. Ça m'a coupé l'appétit.